avec vous pour mon premier tuto avec la subculture de Anastasia Beverhills. Déjà, si vous n'avez pas vu la revue, je vous ai publié une revue il y a 2 semaines. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps de poster une vidéo la semaine dernière, je m'en excuse. Mais cette semaine, donc, je vous propose un tuto avec cette même palette. Allez voir la revue si vous voulez savoir plus sur cette palette, sa qualité, etc. Et on commence de suite. Donc j'ai posé, comme à mon habitude, une base normale. Donc moi, c'est celle de chez Kiko que j'utilise maintenant depuis plusieurs mois. Je suis venue poser une base blanche pour faire ressortir les couleurs. Vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser une base blanche, pardon. D'autant plus que les fards qu'on va utiliser sont complètement mats. Donc cette base crée une plus grosse accroche. Et du coup, pour les débutants, ça risque d'être compliqué. Donc je vais prendre dans un premier temps mon premier fard, ce qui s'appelle All Star. Je vais faire mon creux de paupières avec un pinceau type 217. Ensuite, je vais prendre le deuxième fard qui s'appelle Randy, donc qui est un sub. Il paraît noir à la caméra, mais il n'est pas du tout noir. C'est un brun très 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 foncé. Donc je viens l'appliquer avec un pinceau plat au coin externe, interne, et je viens laisser le milieu vide. Donc c'est un halo qu'on va réaliser, donc c'est pour ça que je laisse la partie du milieu vide. Donc je viens ensuite estomper en creux de paupière les deux fards que j'ai posés précédemment. Ensuite, je viens prendre le fard jaune moutarde de la palette, enfin jaune moutarde, et avec un pinceau plat, et je viens le placer dans les trous qu'on a laissés précédemment. Voilà. Une étape qui est un peu chiante à faire, surtout avec ces fards-là qui sont quand même assez mat, je vous rappelle. On va devoir estomper entre les deux couleurs, donc paquet de démarcation. Donc ça prend un peu beaucoup de temps, je vous l'avouerai. Que moi je commençais un petit peu à avoir marre d'estomper, mais bon, du coup, on est un peu obligé, sinon ça fait très 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 moche. Hein, je ne vais pas vous le rappeler que si on n'estompe pas, c'est très laid. Donc du coup, je vais prendre son mal en patience et au final, on y arrive et ça fait super joli. Ensuite, je reviens redonner un petit coup de propre avec, en estompant avec un pinceau propre pour vraiment que en fait, les couleurs se fondent bien et qu'il n'y ait pas de démarcation. Je le répète encore, c'est vraiment super important avec ces fards-là de faire attention à bien les estomper. Si vous possédez cette palette, vous avez dû remarquer que comme ils sont mats, ils sont certes très très pigmentés, mais du coup, comme tous les fards mats, ils sont un peu plus durs que les autres à travailler. Ensuite, avec mon doigt, je vais venir prélever le fard doré de la palette, le fard Adorn, et je viens le poser par-dessus le fard précédemment posé. Parce qu'avec le doigt, ça fait vraiment infini plus estompé naturellement qu'avec le pinceau, on déplace moins de matière. Donc essayez vraiment, si vous faites des halos, de le faire avec de le finir avec le doigt, vous verrez la différence, je vous le promets. Ensuite, on va s'attaquer au ratine inférieur et je vais prendre un des fards que je kiffe de cette palette, c'est le fard Axis. Donc c'est un sublime vert canard, donc je viens faire tout simplement mon ratine avec. Ensuite, je vais prendre un autre fard que je kiffe trop de cette palette et je vais faire mon coin interne et je vais un peu déborder sur mon ratine parce que je l'aime tellement que je vais en foutre partout. Donc il s'agit du fard électrique de la palette, donc je viens le poser avec un pinceau, un petit pinceau crayon et je viens légèrement flouter entre les deux, entre Axis et ce fard là en ratine inférieur. Celles qui ont passé cette palette, savent que ce fard est juste à tomber. Voilà, ensuite pour les yeux, c'est terminé, donc c'est assez rapide, mais bon, ce que vous perdez beaucoup de temps, c'est dans l'estompage. Ensuite, je vais faire mon liner, mon mascara. Sur mes lèvres, je porte le Anastasia Beverly Hills en teinte Poète, c'est un des derniers que j'ai acheté, il est sublissime. Mon teint, je l'ai fait comme à mon habitude, pardon. Voilà, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous laisse et je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye.